J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui sera dans ma salle de bain. Une vidéo de tri, etc. Au niveau. Je vais vous montrer les gels douche, les shampoings, tout ce que j'ai là-dedans. Donc, les petits produits, savoir si j'y garde vraiment ou pas. Et dans ce panier-là aussi, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Bah, écoutez, je vais commencer par le grand panier, comme ça, je vais pouvoir le ranger directement. Donc, il y a du backup, hein. Voilà, donc la preuve qu'il y a du backup, hein, des cotons tiges. J'ai racheté alors que j'avais déjà un paquet, mais maintenant j'ai un tout petit truc pour les cotons tiges. Bref, ça, du coup, ça me sert toujours. Pareil, un backup, j'ai des gros cotons comme ça. Voilà. Ensuite, pareil, j'ai un truc comme ça, mais j'aurais dû prendre ceux-là avant de prendre ceux que j'ai... pris, c'est celui-là, là, les petits gants comme ça. Alors, ah non, il est pas là. Il est là. Regardez, un petit gant comme ça, là, vous savez, pour vous nettoyer le visage. Et en fait, j'avais ceux-là avant, mais du coup, c'est pas en forme de gant, c'est en forme de petite lavette comme ça. Donc, j'en ai deux, je sais pas si je vais garder ou pas. Pour l'instant, je laisse dedans, mais si, genre, dans un ou deux mois, il s'est encore, j'enlèverai directement. Ensuite, oula, ça risque de se casser la figure. J'ai mon démaquillant biphase, de la marque biphase que j'ai déjà testé. Il est pas oufissime, il sent pas hyper bon. Voilà, après je me maquille pas très peu, donc vous voyez, hein, il est qu'à la moitié. Voilà, enfin, c'est pour démaquiller les yeux celui-ci. Un petit peu gras pour les yeux, je trouve, mais voilà. Donc voilà, donc celui-ci va plus partir que le micellaire 1 parce que j'ai du chez Bourjois et le micellaire, donc du coup bah, pour démaquiller tout ça, je me maquille souvent à le micellaire ou au baume nettoyant, mais plus au micellaire que baume nettoyant, donc vous voyez, hein, ça je peux en faire l'année, pour être clair avec vous, surtout que c'est des formats 200 ml pour les yeux et 250 ml pour le visage, donc... Comment vous dire que ça va me faire l'année. Voilà. Ensuite, j'ai toujours l'eau de chez Aven. De chez Garancia. La brume océan. Là, il va falloir que je l'utilise parce que elle est déjà de l'année dernière. C'est un 200 ml. Je ne sais pas s'il y a une date de péremption ou quoi. Sur ces produits-là. Voilà, parce que si j'attends encore l'année prochaine, je vais essayer de la terminer. Je vais la sortir. Je suis sûre à chaque fois je vous le dis ça. Je vais la sortir, on va essayer. Ensuite, un tout nouveau produit, Amalif. C'est pour les cheveux. Et c'est pour se démêler les cheveux. Donc j'ai voulu tester ça. Faudrait que je le sorte. Voilà, c'est un format spray. Ah, ça sent super bon. Ça sent plutôt bon. Je vais mettre ça sur mes cheveux. Voilà, c'est pour se démêler les cheveux. Moi, j'ai du mal à me démêler les cheveux. Donc ça peut être pratique. Format 4 minutes. Ça, c'est pareil. Il faudrait que je laisse en vue. Pour l'instant, tout est rangé là. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai de la famille qui vient. Et en général, je préfère tout ranger. Parce que je sais très bien qu'elle dégage tout. En fait, c'est des filles. Et en fait, elle dégage tous mes produits. Et elle met leurs produits. Donc du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je range mes produits. Et comme ça, elles peuvent mettre leurs produits. Au moins, il n'y a pas de problème. Et au moins... elle ne me fatigue pas. On va dire ça comme ça. Ensuite, de chez Amalif aussi, j'ai une autre aqua micellaire. Donc, une autre eau micellaire. Format 200 ml. Donc, voilà, ça c'est pareil. Donc, du coup, bah, là, j'en ai strictement pour l'année. Parce que j'en ai deux. Voilà, à tester. J'ai pas encore testé. Le Lady Million format 100 ml. Ça, il serait temps que je le termine. Parce que, enfin, que je commence à utiliser, parce qu'en fait, c'est un cadeau qui m'est offert il y a plus, ça fait 3 ans que j'ai avec mon copain, ça fait au moins 4-5 ans. Donc, il sent toujours aussi bon, mais comment vous dire qu'il va falloir que j'utilise à un moment donné. Ensuite, j'ai ceci que j'avais dans une box que j'ai toujours pas utilisé, Body Glow Wish. Donc, c'est une brume éclatante pour le corps, voilà. Pour le corps que j'ai pas utilisé encore. J'ai une petite laque que j'ai eu gratuitement de la marque Style Sueo. Voilà, petite laque. Je la garde parce que ça peut toujours être utile. Je l'ai pas encore testé. J'ai pas encore cité ni rien. Mais ça peut toujours être utile pour les petits cheveux et tout. Peut-être que je me mettrai à mettre de la laque pour mes petits cheveux, genre mes bébés cheveux qui traînent et tout. À voir. Ensuite, j'ai un Merci Andy. Ah, j'en ai encore un, je m'en rappelle même plus.
Donc c'est une eau pour le visage. Donc ça, bah, pareil, je vais la garder encore un peu, hein. Voilà. Ensuite, j'ai ceci. Donc c'est pour les cheveux, il me semble. Voilà. C'est pour nourrir les cheveux, il me semble, hein, parce que c'est écrit en anglais et je sais plus la traduction. Donc c'est de chez Ola In Home Milk. Voilà, donc ça, je sais pas si je regarde. Ensuite, j'ai ceci qu'il faudrait que je teste, enfin que j'utilise. C'est de chez LR, donc c'est la rose. Donc c'est un baume, enfin un lait pour le corps. Je ne peux pas sentir encore le percure, heureusement. Mais ça sent super bon et c'est un lait pour le corps. Mais du coup, que je vais utiliser pour le visage. Donc je vais voir avec une de mes copines si elle n'en veut pas. Parce que déjà, rien pour le visage, ça va durer une éternité. En plus, ça formate 200 ml. Donc je vais voir s'il y a des copines qui en veulent pas un peu. Ensuite, de chez Desange. Concentré nutrition, longueur et pointe, très desséché. Donc ça peut être pas mal. Ça, je vais peut-être le ressortir parce que bah, j'ai mes cheveux qui sont ultra secs. J'ai mes cheveux, ils sont hyper secs. Donc du coup, bah, ça va peut-être le faire en ce moment. Donc ça, c'est pareil. Je vais sortir. On va essayer de l'utiliser. Je vais essayer parce que parfois, j'arrive pas à utiliser les produits. En plus, dans le petit panier-là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Avant, il y a un moment, il était blindé de produits, ce panier-là. C'est mon panier blanc. Et maintenant, il est presque pas. Enfin, il n'y a presque rien dedans, quoi. À part du backup, c'est tout ce qu'il y a. Donc, je le remets derrière moi, je le rends. Non, c'est pas par là. Là, par là. Il y a les produits derniers. Donc, je le range, du coup, parce que j'en ai pas l'utilité. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je le range correctement. Après, aucun problème. Ensuite, je vais vous montrer mon petit truc pour le niveau du visage. Et après, je vous montrerai les cheveux et le corps. Voilà. Donc, un produit. Non, on verra ça après. La meuf, non, on verra ça après. Voilà. Alors, au niveau de du visage, que je vais peut-être que je vais commencer aujourd'hui. Docteur Babor. Donc, c'est un sérum pour le. Ben, c'est des petites. Fiole de sérum en fait à la vitamine E. Il me semble que c'est à la vitamine. Donc je sais pas trop, mais voilà. C'est fait pour booster un peu votre visage et tout ça. J'ai eu ça dans une box au mois de août. Donc du coup, je suis plutôt contente. Je crois que j'ai eu ça dans la glossy box au mois d'août. Donc franchement, ça, je suis contente. Ensuite, j'ai encore mon masque de chez Nocibé moussant. Voilà, je l'avais repris. Mon copain me l'avait offert et je l'ai repris. Il était en promo et tout, je l'ai repris format 50 minutes, je pense. 75 minutes, donc ça, je l'ai repris, voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas réutilisé parce que j'ai encore plein de masques, mais lui, j'essaie de le garder jusqu'au maximum. Ensuite, j'ai encore une eau de chez Uria cette fois-ci. Voilà, donc les eaux, il va falloir les utiliser. Bon, ça va parce qu'elle est arrivée que cette année, hein. Je vous rassure, c'est pas comme celle-là que ça fait au moins un ou deux ans que je l'ai. Il serait temps d'utiliser. Alors ensuite on a ceci, huile de ricin, donc c'est pour les sourcils, non, les cils, oui le sourcil un peu aussi, mais c'est pour les cils et les cheveux, voilà, avec le petit papillon qui est là, que j'ai toujours pas testé parce que je prends pas le temps, et en plus j'ai un mascara, un petit truc qui fait comme un mascara, je crois, que j'ai encore à terminer, oui c'est ça. En fait, du coup là-dedans j'ai à terminer un lait hydratant, mais ça je vais pas le garder, en fait je vais le garder parce que l'odeur sentait bon, je l'ai pas testé, mais je vais pas le garder, je vais le donner. Et du coup le produit que je vous parlais, c'était Suisse Grasse et Stella. En fait c'est un produit, en fait c'est exactement pour ça, l'huile de ricin, et sauf qu'en fait c'est avec un bout comme ça et l'autre c'est avec un goupillon. Donc voilà, à voir si je peux mettre un goupillon dedans, ça serait peut-être plus pratique. Voilà, donc c'est juste ce produit là, donc qui est plutôt pas mal. Et aussi en ce moment, enfin, j'ai aussi ce produit-là qui est comme ceci. Donc c'est le baume. Non, c'est pas le baume, c'est le. Si, c'est le baume, mais pour le corps. Et du coup, bah, faut que je le termine. Et j'ai utilisé pour le terminer parce que du coup, je ne le mets pas sur le corps. D'ailleurs, ils sont hyper bons. Et je l'ai utilisé. Il va falloir que je le termine. Je l'ai utilisé sur. Au niveau du corps. Pas du corps, mais. Parce que vous savez très bien, moi et le corps, j'ai du mal. Et en fait, je l'ai terminé, enfin, je le termine pour les pieds. Et c'est un truc de chez Evolve, de chez Jolie Moi, et franchement, il est trop bien. Mais je le termine pour les pieds parce que du coup,
comment vous dire que bah, j'arrive pas à le terminer sur mon corps. Ou alors je le mets vraiment quand il y a des zones vraiment très très sèches où je peux le mettre et là il est vraiment juste, c'est vraiment dingue. Ensuite de chez Polar, j'ai une crème solaire comme ceci qui va être pour l'année prochaine parce que j'ai déjà une petite comme ça que j'ai utilisée cette année pour mon tatouage qui d'ailleurs j'en ai encore pas mal donc du coup bah je vais le garder pour l'année prochaine justement pour mon tatouage parce qu'il était plutôt pas mal. Et puis en plus il sent super bon quoi. Bon là il est operculé. Mais il sent super bon et moi j'ai plutôt bien. Donc voilà. Pour une fois que j'aime un truc de chez Polar, notez, parce que la marque Polar et moi on n'est pas du tout copines. Ensuite j'ai encore une eau micellaire. Donc du coup, comme je vous disais, en eau micellaire, j'ai même plus besoin d'en acheter. Limite, j'avais même envie de. Attends, j'ai quoi comme micellaire? J'ai celle-ci. Et celle-ci et celle-ci. Et bah vous savez quoi? Je voulais tester celle-ci. Mais au pire des cas, je sais que je peux la ravoir. Celle-ci, je vais l'enlever parce que du coup, ça en fait beaucoup trop. Genre entre l'autre à finir. Et en plus, celle-ci, c'est format 50 minutes. Celle-ci, je l'emmènerai quand je partirai en voyage ou autre. Mais du coup, celle-ci, je vais la sortir et du coup, je vais la donner à une de mes copines. Je sais déjà ce que je vais en faire, ne hein, vous inquiétez pas. Du coup, j'ai encore un petit dentifrice comme ça. Ensuite, j'ai des crèmes pour les mains. J'en ai deux. Donc, j'ai celle de chez Yves Rocher à l'argan et à la rose qui sont super bonnes. Et celle de Yves Rocher au Monoeil. Et je crois que je l'avais gardée parce qu'elle sentait plutôt bon. Ouais, c'est ça. J'ai gardé parce qu'elle sent plutôt bon. Après, à tester, à voir si je suis pas trop. Si je suis pas. Comment dire, si je voulais mettre à l'endroit. Si je suis pas trop écœurée, je la garderai. Sinon, je la filerai à ma maman. Soit ma maman, elle adore. Je sais très bien qu'elle aime bien ce genre de produit. Je le garde tout le temps. De toute façon, à chaque fois que j'ai des produits. Pour les mains dans mes box beauté, je lui garde toujours parce qu'elle adore ça. Ensuite, il ne nous reste plus que quelques produits. On a celui-ci de chez Garancia. Donc, c'est double sérum. Donc, voilà. Donc, c'est à secouer et tout. Un sérum. D'ailleurs, qui je pourrais le mettre... Ah non, je peux pas le mettre dans ma gamme. Dans ce que j'utilise en ce moment. Parce que j'utilise un sérum de chez Yves Rocher. Mais le prochain, du coup, ça pourrait être celui-là. Ça, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, de chez Baja... Delirium Flora, donc c'est une crème pour le corps qui paraît, je sais pas pourquoi j'ai gardé, alors je l'utilise pas, mais l'odeur ça sent bon, mais du coup je vais l'enlever parce que je sais très bien que je vais pas l'utiliser, ça sert à rien, je l'ai eu cette année, en plus la marque Baja est plutôt pas mal, du coup je la sors de là-dedans, donc je sais bien de faire, de regarder. Ensuite de chez The Body Shop, là j'ai un beurre corporel, pareil, j'aime pas trop ça, mais je garde parce que c'est un... bah, j'entends parler que c'est un best-seller, donc là c'est sous forme de crème onctueuse, on va dire. Et en fait, c'est parce qu'en fait, on me l'a offert aussi à mon anniversaire, donc c'est celle-là à la fraise, et j'aimerais bien les tester. Donc voilà, quand j'aurai le courage, je le testerai à celui-ci. Ensuite, de chez Imparfaite, ça c'est une très belle marque que j'ai connue dans les box beauté. Donc c'est un masque peeling pour la peau, pour une peau rayonnante. Donc voilà, ça à tester aussi, format 30 minutes. D'ailleurs, des masques comme ça, en crème comme ça, j'en ai plus. Donc je vais pouvoir en rouvrir plutôt, ça va être plutôt pas mal. Ma foi, ça va plutôt être bien. Voilà, pareil, je range. Comme ça, c'est rangé. Ensuite, on va passer niveau cheveux. Donc niveau cheveux, j'en ai encore un de chez Yves Rocher. Réparation cheveux abîmés, donc celui-ci format 300 minutes, j'ai déjà testé, il est plutôt pas mal, j'aime bien. Du coup cette vidéo là, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, parce que du coup là je vous montre vraiment tous les produits que j'ai chez moi. Du coup bah là j'ai fait un petit tri parce que j'ai quand même enlevé 3 produits, 3 produits que je savais que j'allais pas utiliser, donc c'est plutôt pas mal, au moins je fais du tri. Voilà, donc du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo et au moins vous savez ce que j'ai en backup et ce qui est à venir dans mes produits terminés. Donc voilà, celui-ci est très bien. Ensuite de chez LCF, j'en ai deux. J'ai celui-ci qu'on m'a... oui c'est celui-ci qu'on m'a dit de tester parce qu'il était hyper bien à ce qu'il paraît. Une de mes copines l'a testé et elle m'a dit franchement il est trop bien. Donc c'est le L'Oréal LCF Nutri Glow, le shampoing embellisseur cheveux longs et ternes. Donc brillance, ça donne une lumière, de la brillance, donc franchement ça j'ai hâte de tester. Pour l'instant je ne l'ai pas mis, j'ai un garni
Et vu que ça fait un moment que je suis pas chez moi, du coup, bah, il y a des vieux produits, là. Enfin, des vieux produits, des produits qui datent de 1 ou 2 mois. Mais voilà, donc ça, j'ai vraiment hâte de tester. J'ai vraiment hâte de voir si ma copine a raison. Enfin, je pense qu'elle a raison, mais si ça fait effet sur mes cheveux. Ensuite, toujours L'Oréal Elsève, huile extraordinaire de jojoba, shampoing nutrition intense, cheveux très secs. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est dans mon type de cheveux parce que j'ai les cheveux secs. Toujours format, ça c'est des formats 250, ah non, 290 ml et 250 ml. Voilà, c'est pas pareil. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Schwarzkopf. Ça c'est un que vous avez déjà vu il y a eu super longtemps. C'est un Schwarzkopf. Donc c'est un hyaluronique. C'est à l'acide hyaluronique. Donc c'est un shampoing micellaire pour cheveux normaux et secs. À sec. Format 250 ml. Donc ça c'est un. C'était à un moment donné un de mes best-sellers parce que j'aime beaucoup l'odeur et tout. Ça c'est un format 250 ml. Je kiffe l'odeur. Il mousse très bien. Il fait des beaux cheveux. Donc c'est pour ça que je l'ai repris. Du coup je l'ai retrouvé sur Notino. Il est un petit peu moins cher sur Notino. Donc voilà, du coup je l'ai pris. J'ai dit vas-y, je fonce. Il y a aussi le anti-pelliculaire de cette marque-là, aussi Schwarzkopf, qui est plutôt pas mal. Parce que mon copain, je l'utilisais pour lui, parce qu'il a pas mal de pellicules. Enfin, il avait pas mal de pellicules à un moment donné. Et franchement, ils sont bien. Les Schwarzkopf sont plutôt pas mal. Un peu cher, mais plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai un tout petit produit de chez Shaery, Pure Scrub. C'est pour le cheveu et les cheveux et le corps. Moi, je voulais l'utiliser pour les cheveux, mais je pense que je vais l'utiliser plus pour le corps. Parce que ça va plus partir, sachant que les cheveux, j'ai déjà 4, 4 trucs en backup. Je vais l'utiliser pour le corps et je vais l'utiliser même ce soir. Voilà, pour du scrub, même si j'aime pas trop les scrubs. Après, je suis plus pour le corps que les cheveux. Je ne sais plus si le body scrub sont sur Joli-moi. Il me semble pas, mais à voir. Donc, je garderai le packaging au cas où. Mais voilà, donc au cas où, peut-être qu'un jour il sera chez Joli-moi. Pareil, je range. Il y a juste le dernier panier que je pourrais pas ranger parce que c'est tout en bas et que du coup on aura fini la vidéo. Alors un produit pareil que je vais sortir parce que je l'utilise pas, je pense pas que je vais l'utiliser. Donc c'était un produit de chez Action, le Whipper Dobif Faux, donc Body Foam. Donc c'est un. Une. Mais après je sais pas parce que j'avais envie de tester mais je sais pas si je vais aimer. C'est une mousse légère hydratante pour le corps. Et vu que je ne m'hydrate pas le corps, je voulais voir ce que ça faisait. Alors attendez, on va tester, parce qu'au pire des cas. Wow! Au pire des cas, wow! Je suis drague de mes copines. J'aurais peut-être dû le secouer. Alors, attends, on va voir. Parce que là, je ne l'ai pas secoué, ça a tout giclé partout. Ouais, c'est pareil. En fait, c'est une texture très très liquide. Alors, ça sent. Ça sent vraiment la mousse à raser. Trop bizarre. Bon là je pense que j'en ai mis un peu trop. Hein. Par contre ça a un peu de mal à pénétrer. Ouais non, ce produit-là je vais sortir de mon. Excusez-moi, hein, du coup je vais essuyer mon bras. Voilà, je suis dans ma salle de bain, ça tombe bien. Du coup ce produit-là, ouais, je vais le sortir parce que je m'en doutais, c'est pas fait pour moi. En plus c'est un peu trop liquide à mon goût. Donc voilà, pareil, ça peut filer une de mes copines, elle sera contente. Finalement, j'ai testé avec vous, j'ai pas trop aimé. Ensuite, toujours de chez Action, la marque Spa, une mousse de douche, la rose, ça j'aime bien. Il faut que je fasse un backup pour ma maison, parce que du coup, avec mon chéri, on n'en a pas. Et chez moi, du coup, bah là, j'en ai que. J'en ai un peu plus que deux, j'en ai quatre. J'en ai un peu plus que deux. Mais du coup, dans ma maison, j'ai pas de backup. Au niveau des mousses de douche, voilà, pour le week-end. Donc, spa exclusif. Voilà, bon, bref, spa. Du coup, c'est à. Je vais juste vous dire à quoi c'est. Ça va, 20 minutes de vidéo, je suis pas trop longue. Je vais être plus longue. Ah, voilà, mousse de douche, parfum fleur de cerisier. Donc, ça va être une dinguerie. Je peux pas trop sentir, mais ça va être une dinguerie. Ça, je vais l'utiliser avec. Vraiment avec envie. Alors attendez, je me décale 30 secondes. Tout ça pour vous dire que je suis en train d'utiliser une mousse de douche. C'est la bleue et c'est à. Elle sent plutôt bon aussi celle-là. Moi je suis jamais déçue de son des mousses de douche de Action. Parfum Lotus Blanc. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt. C'est une odeur spéciale quand même. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Je pense pas que mon chéri aurait aimé l'odeur, mais moi j'aime bien, ça va.
Ensuite, toujours pareil, de chez Spa, sauf que là, cette fois-ci, c'est le vert. Et cette fois-ci, c'est parfum thé vert et eau bambou. Thé vert et bambou. Donc ça, j'ai hâte de tester ces deux-là. Et je crois que j'ai jamais testé le vert et le rouge. Je crois que je les avais jamais testés. Voilà, du coup, ben, on va continuer dans les mousses de douche. Les mousses de douche de chez Rituals à tester. Ça, je vais la garder. Je vais la garder en stock tout le temps, à mon avis. Parce que je les adore. C'est aussi un mousse de douche. Donc, c'est Ritual of Karma. J'adore cette odeur-là. Je la kiffe trop. Donc, voilà, je vais la garder un peu encore. Donc, c'est un petit format. Hein. C'est un format 50 ml. Et ceux de chez Action, là, c'est un format de 200 ml. Donc voilà, désolée pour le bruit, je mets tout dans les vies à côté. Du coup, de chez Nocibé Homme Spa, ça, je les adore, c'est pareil, c'est des mousses de douche, là, chez Orange et Amande, je l'ai déjà testé, j'adore. J'aime beaucoup cette odeur-là, format 200 ml. Moi, c'est ce qui m'hydrate le plus. Et c'est ce que j'utilise le plus en hiver. En été, je prends les formats comme ça, gelés, mais en hiver, j'utilise la mousse. Ensuite, de chez Fa Explore Découverte Bali Kiss, ça je crois, ah oui, je l'ai en deux, vous l'avez déjà dû le voir une fois parce que dans mes produits terminés, parce que je l'ai utilisé dans ma maison et la maison, bah du coup je l'ai utilisé. Et là, du coup je vais l'utiliser ici, je sais plus ce que j'en ai pensé. Voilà, j'utiliserai, j'aime bien les gels bouche Fa 250 ml. Par contre, les gels bouche Fa. J'ai jamais eu de problème avec les gels douche Fa, donc les comme ça. Là, j'en ai pris un, c'était un gel douche Fa, mais je pense que c'était une édition limitée, parce que c'était pas le même packaging, en fait, genre il avait pas les deux étiquettes comme ça, tu vois. Et bah, ce produit-là, il m'a séché la peau de ouf. À la maison, je l'ai utilisé bah, tout le mois d'août, et il m'a séché la peau de ouf. Donc, je ne rachèterai pas l'autre, mais du coup, je continue à les acheter, parce que j'aime bien, mais je ferai attention à ceux que j'achète. Ensuite, bon savon, mon savon plutôt, passion bien, passion fruitée. Voilà, format 300 ml, pareil, hein, gel douche. Ils sont plutôt bons, j'aime bien. 98% de gel naturel, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça j'aime bien, j'adore. Je regarde, c'est un 05 qui m'appelle, je sais pas ce que c'est. Bref, on continue. Yves Rocher, toujours Grenade et Bedrose, format 200 ml, ça j'adore, je kiffe. Ensuite, je vais accélérer un peu parce que du coup, il n'y a plus grand-chose. Ushuaïa Polynésie huile de monoï de Tahiti, format 300 ml. Pareil, j'adore. Je ne sais plus si j'ai déjà utilisé ce parfum-là, mais j'aime bien. Ensuite, on a ceci de chez Adopt que j'ai déjà utilisé au moins 3 fois. C'est le Young, c'est le Yummy Candy, format 250 ml. Voilà, je l'ai testé une fois. On a adoré avec mon chéri. Je l'ai racheté 2 fois. Et je l'aime bien. Et lui, je pense que je vais l'emmener chez mon chéri parce que. Enfin, chez mon chéri, dans ma petite maison. Parce qu'il a bien aimé cette odeur-là. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de gel douche là-bas, c'est pour ça. Et du coup, de chez Adopt, ils sont plutôt pas mal, mais un peu trop chers à mon goût. C'est pour ça que d'ailleurs que je les achète à moins 50%. Ensuite, de chez Nuxe, gelée de douche purifiant. Ça, j'avais eu à Blissim. Parce que j'ai pu l'avoir gratuitement avec mes points. Donc, c'est une gelée de douche parfum. Parfumé à l'huile d'amande douce, donc voilà, à tester. Il est encore operculé, c'est très bien. Format 200 ml, première fois que j'ai utilisé, donc j'ai hâte de tester. Ensuite, des petits produits de chez The Body Shop. C'est mes derniers produits de chez The Body Shop que mon frère m'avait offert mon anniversaire. Donc là, on a. C'est une crème de douche miel, mais ça, je ne sais pas si je vais aimer. Miel, je sais pas trop. Attendez. Ouais, non. Le miel, je pense que je vais le donner à une de mes copines, il m'en voudra pas. Parce qu'en fait, je voulais tous les tester, mais miel, c'est pas mon truc. Je vais le donner pareil à une de mes copines, si c'est un format 60 ml, parce que je sais très bien que je vais pas l'utiliser, ça sert à rien. Ensuite, on a le gel douche Sarturne. Donc, c'est orange ou pêche, un truc comme ça. Orange plutôt je pense. Format 60 ml, pareil. Ensuite à la rose, ça je l'adore, je le kiffe. Je l'ai déjà testé. Et ensuite il reste deux produits. Qui d'ailleurs ça je peux l'enlever.
Bah ça, ça fout là. Deux produits que j'avais eu dans une pharmacie et qui étaient vraiment pas chers parce que c'était 50 centimes le produit. J'avais jamais testé, donc je vais plutôt être contente de les tester. Hop, je range vite fait. Plutôt contente de les tester. C'était comme ça, en promotion, 50 centimes le truc. Donc 50 centimes, je trouvais que c'était pas très cher parce que sinon ça vaut plus d'un euro et les barouettes. Donc surtout un petit format de 50 millilitres. Voilà, donc j'en ai acheté 3, j'en ai gardé 2, j'en ai offert un, je vais en offrir un à une de mes cousines, une autre odeur. Donc là, c'est un gel douche fleur d'osmante de la marque Roger et Gaillet. Donc ça, c'est une belle marque que je n'ai jamais testée, donc voilà pourquoi j'ai pris. Donc en format gel douche, ça, ces petits formats-là, j'aime bien les prendre quand je suis pas chez moi, voilà, que je dois me coucher ailleurs, c'est plutôt pratique ces petits formats-là. Donc voilà, à de tester. Et ensuite, gingembre rouge. Donc voilà, à tester. J'ai jamais utilisé ces. Enfin, eu de senteur comme ça au niveau des gels douche. Donc voilà, j'ai hâte de tester. Ça sent plutôt bon. Ouais, les deux sont plutôt bons. Donc j'ai hâte de les tester. Donc vous voyez tous les petits formats comme ça, là, ces quatre petits formats-là. Je vais les utiliser quand je ne serai pas chez moi. Voilà, ce sera plus pratique. Je vais les utiliser quand je serai pas chez moi et voilà, du coup ça sera plutôt pas mal. Ils vont être terminés dans enfin pas très peu de temps, mais dans les mois à venir, parce que du coup je vais les reprendre. Donc voilà, donc moi j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. J'aime bien les petites vidéos tri et tout, donc là c'est vidéo tri soin. Voilà. Du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai enlevé, du coup tout ce que je sais que je vais pas utiliser. Alors, j'ai quand même enlevé 5 petits produits. Donc, l'eau micellaire que j'ai enlevé de chez Amalish, parce que du coup, je sais très bien que je ne vais pas l'utiliser parce que j'en ai déjà 2 autres. Le lait corporel en mode mousse. Le gel douche The Body Shop au miel, parce que j'ai pas du tout le miel. Ensuite, le lait corporel chez Yves Rocher, parce que je sais très bien que je ne vais pas l'utiliser, même si ça sent bon. Et Beige Apparel, même si ça sent bon, c'est un lait corporel aussi. Je sais que je ne vais pas utiliser. Voili, voilou. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît ou non. Moi en général je fais cette vidéo là peut-être une fois par an ou deux, je sais pas. Là ça fait longtemps que j'avais pas fait cette vidéo là, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais des bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, un petit commentaire qui fait encore plus plaisir. Et je remercie tout le monde, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.